Salut tout le monde, c'est Cygnus, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur Saint Seiya Soldier Soul. Il y avait un moment qu'on s'était retrouvé sur ce jeu et son mode bataille d'or. Alors, on avait fait toutes les castes, il ne restait plus que le dieu. Donc, on commence tout de suite avec Poséidon. Poséidon qui a en réplique de combat réduction de dégâts de 20%. Voilà. Alors, il y a longtemps que j'ai joué, hein, c'est vraiment la reprise du jeu. Donc, soyez un peu indulgents, je risque de faire un peu du bad. Voilà, Shina pour ce premier combat. Je vais essayer d'être le plus à l'aise possible, mais c'est pas gagné et garanti. Quoi qu'il en soit, je pense que vous devrez vite retrouver mes marques. Alors, on m'avait fait de la demande il y a quelques temps déjà de refaire le Saint Seiya, donc je vais bien me repencher là-dessus sur le jeu. Voilà, il restait plus que dieu. Et puis, oula, bah, ouais, ça commence bien, je me refais ma ravée. Et donc, Shina m'est chère là. Ensuite, je referai une série de vidéos quand. Avec tous les personnages qui ont participé à cette saga sur les batailles d'or. C'est-à-dire bronze, argent, or. Guerrier, divin, marina. Et puis spectre et compagnie quoi. Et sauf que je le ferai avec les pierres à fond et plein de répliques de combat. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Ça permettra de voir l'évolution des personnages quand ils sont boostés ou non. Tandis que Shina me cause quelques problèmes là pour ce premier combat. Si je vise dans le vide, hop, ça va, son attaque du vent est passée dans le vide. Et la mienne est passée. Ça n'arrivera jamais. Empalé sur le trident de Poséidon. Alors. Voilà, ça ne l'avait pas tué, mais on finit sur cette attaque spé. Et on va avoir pas un rang très bon, je pense pas que ça soit excellent. Ouais, rang B. Pour commencer, on commence gentiment. Alors tiens, ça peut être intéressant, dites-moi, ouais, que 4252 points, dites-moi quel est votre dieu préféré. Et bah là, on va se battre contre nous-mêmes, tiens. Poséidon contre Poséidon. Roi des océans contre roi des océans. Armure bien sympathique. Tu te moques des dieux. Fais preuve d'une telle audace devant un dieu. En garde. Bon, ça va, on démarre plutôt mieux que tout à l'heure. Mais. Non, pas trop victoire trop vite. Voilà ce que je disais, ça va, c'est bien rattrapé. Je spam un peu toujours la même attaque, je suis désolé. Cette attaque spé. Allez, faut le finir. Ah bah. Et qu'est-ce que c'est que. Dans la famille, je ne sais pas conclure un combat. Ouais. Non, j'aime. Oh non mais attends, c'est une vague. Encore un coup, il est mort et. Il me fait. Voilà. Pas con. Poséidon, incroyable. Mais c'est incroyable. Oh, c'est un petit peu mieux. Pas, certes, pas glorieux, mais un petit peu mieux. Bon, ça va, c'est honorable. Ah. Alors, que nous réserve ce troisième combat alors qu'on est à 14 000. On peut pas encore passer au combat de rang 2. Orphée. Orphée.
Le lyre, le chevalier d'argent, de la lyre, Orphée. Je vais te faire payer chèrement ton insolence. Écoute le sombre dans le sommeil. Zaidan Sama. Ok. Bien esquivé, mon vieux. Il a pas l'air. Voilà, au bout d'un moment, le brise-garde fonctionne. C'est un peu monotone. Faudrait que. Mais bon, pour le moment, voilà, tant que j'ai pas retrouvé toutes mes marques, je dois vous avouer que je vais. Et c'est pareil, il est presque mort et ça va me refaire comme tout à l'heure, vous allez voir. C'est une blague. J'allais le tuer. Il me balance son attaque Big Bang. Allez, on va se le finir quand même. Ah, on va se finir là-dessus. Petite attaque Big Bang des familles. Disparaît à jamais. Comme avec une vraie fourchette. Dans un vrai mouchoir de poche. Voilà, rang S. Ça, c'est ça le jeu. Rang S. Allez, normalement on devrait pouvoir passer au combat de rang 2 là. Avec tout ce qu'on a dégoté pendant ce combat. En plus on finit par une attaque Big Bang. Oui, 9000 points, ça nous en fait 23000. On passe au stade suivant là quand même. Tac. Athéna. Saori-san. Un duel 100% divin, tiens. Intéressant. Le millénaire de combat, tout prend fin ici. Tu ne peux tromper les dieux, Poseidon. C'est pas grave, je vais aller t'emmurer dans le pilier principal. Et je laisserai volontairement couler la flotte sans éteindre les robinets. Ça va, on a l'air de maîtriser Athéna. Mais on ne cause pas tant de dégâts que ça. Tiens. Tu la vois la petite chope là? Plaf. Voyez cette orbite. Moi, mon attaque Big Bang est passée. On est proche. Mais ça n'a pas suffi pour la tuer. Bien résistante, la petite déesse. Allez, elle est presque. Un autre merci. C'est bon. Même pas. Ça va être une victoire. Non, sur le film. À 0 seconde. J'allais dire, ça va être une victoire autant. Non.
Par contre, oui, bonus de temps, j'ai rien à voir, bah oui, forcément. C'était un petit peu prévisible. Trembé. Combat a duré un petit peu, quoi, ça a un peu traîné. Mais c'est une victoire quand même. 31 000 points. Alors, à mon avis, il va falloir encore quelques combats pour atteindre les 50. 2. 3 si je fais pas. Si j'assure pas trop. Alors. Encore Athéna. Je vais m'occuper personnellement de ton cas. Les projections, ça ne tire pratiquement pas de santé. En tout cas, celle-ci. C'est fini. Bel enchaînement. Petite pluie étincelante là. Bonne parade. Mais je lui retire quasiment rien en vie. Encore un petit peu. Passer en mode 7ème sens. Bon. On va tirer encore un petit peu, on va essayer. Espérant que ça fasse le taf. Même pas. Ah oui, dans. Ces répliques de combat, elle doit avoir un truc qui réduit vachement les dégâts parce que elle est quand même bien, bien cheatée. Là par contre ça va être une victoire au temps. Ridicule. Ridicule, ouais, c'est pas très glorieux. Hein. Ne pas taper, ne me tapez pas, me taillez pas en short s'il vous plaît. Je ne mérite pas ça. Je vous garantis qu'au prochain coup, je serai meilleur. J'aurais repris du poil de la bête, je me serais réhabitué au jeu. Allez, 37 000. Contre Ick. Du Garuda. Garuda. Flap. Les Spectres, ils ont toujours des armures improbables. Super. Très très grosse et puis totalement dérangeante et inadaptée au combat. Comment voulez-vous battre avec un truc comme ça sur le dos? Je crois que le pire c'est les armures de d'Hypnos et de Thanatos. Dans le genre volume. Ah ça y est là, il a pris cher. Oh non, et comme d'hab, je vais pas réussir à... Non mais c'est fini, oui. À finir ce combat. Ah bah, en plus, je rate mon attaque du gang. Bakoum. Victoire. Et je ne sais pas si ça va être suffisant pour passer au combat de rang 3 tout de suite. C'est un rang S, mais je vais pas avoir beaucoup de bonus liés au combat qui vont me multiplier mon score. Et ben non, 45 000. Ok, bon là ce coup-ci, Yoga, c'est toi qui vas nous permettre d'accéder au prochain tour et au chevalier d'or en armure divine.
Allez, Cygnus no Yoga. Ok. Puisque tu le prends comme ça. C'est au travers de l'attaque SP. Belle résistance de Yoga. Yoga Flame. Allez, on va essayer que ce soit fini. Est-ce que ça s'est raté? J'ai raté mon attaque Big Bang. Allez, on n'a plus pour très longtemps là. Ça sert à rien d'invoquer Athéna. Et je vais pas réussir à le finir, c'est pas possible. Toujours cette malédiction. Allez, il est presque mort. Allez, encore un coup là. Non mais, c'est une blague. Il s'est mis dedans tout seul alors qu'il restait une seconde. Mais bon, ça devrait quand même... Ouais, 300 rondés. Au secours, au secours. Ça devrait quand même me permettre de passer au combat de rang 3. Et du coup, je suis sur la case... Case de la Vierge, je crois. 54 000, oui, c'est ça. On va pouvoir passer au combat final. Allez, Shaka. Regardez-moi ça, comment il était cheaté. Ça. C'est du boss de compète. Alors si ma mémoire est bonne, il vaut mieux éviter le combat aérien contre les chevaliers d'or en armure divine. Parce que c'est un truc à se faire enchaîner en fait. Il faut essayer de le garder à distance. Corps à corps, c'est pas la peine. Ah la vache. Vous voyez comment il me retire vite de la vie. C'est ouf hein. Alors que je l'ai touché. Ah là, ce que je disais, surtout pas de combat aérien parce que là, c'est là qu'on prend cher. Ça suffit. Oh, il a pris l'avantage. Ça pue, je vous le dis, ça pue. Attaque Big Bang qui devrait me redonner un petit peu d'air. Allez. Ouais, ça y est, on est revenu à peu près à égalité. Je suis en train de serrer les fesses, je vous le dis clairement. Tambourine. Je suis passé à travers le tambourine, mais... Allez, allez. Aïe, aïe, oh non, je le perds ce combat. Oh my god, Pas possible. Je peux pas perdre comme ça. Allez. Oui. Le petit coup de trident qui me sauve. Oh, merci, mon Dieu, merci. Oublions mon avocat. Ok, bah, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. On finit sur un rendez, mais bon, c'est pas très grave. On a gagné cette bataille d'or avec le dieu. Ça veut dire qu'on l'a gagné avec toutes les castes de personnages. En plus, on finit sur un coffre. Et on termine ce mode bataille d'or avec le dieu. Et on a donc un emplacement d'objets supplémentaires.
Voilà. Ce que je vous propose, c'est de mettre tout de suite cette pierre, cet emplacement d'objet supplémentaire sur le personnage de Poséidon. Comme ça, il l'aura déjà pour la prochaine fois. Et puis, voilà, après, on va se quitter là-dessus. Alors, on va rester... comme il avait 20% de santé, on va essayer de se faire... un truc sur la santé. Ah, je suis monté trop haut. Voilà, yeah. Déjà, on va essayer de se mettre l'objet. Oui, emplacement d'objet en plus. Et puis on va rester, je pense, sur la santé costaud, quoi, la santé d'un dieu, pas la santé d'un petit joueur. Alors, Piaf Calamara, Asgard dominera le monde entier. Yoga, 30%, réduit les pourcentages de dégâts subis. Voilà, on avait Asgard dominera le monde entier, c'était ça. Et on peut passer à 30% au lieu de 20%. Je crois que je vais faire ça. Hop. Voilà, on l'enlève. Et on se met la nouvelle réplique de combat. Eh bien, sur ce, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était très sympa de refaire du Saint Seiya. Je vais en refaire d'autres. Vous inquiétez pas. Là, c'est promis ce coup-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter. Et puis on se retrouve très bientôt, je vous dis merci, salut tout le monde, à plus, ciao.